Salut, c'est Boisdin et on est là pour regarder vos drawings en salle que vous avez fait par rapport à mon dessin. Enfin, quand je dis on, c'est je, parce que là je suis tout seul devant la caméra. Vous n'êtes pas encore là, après il faut que je monte la vidéo, que je la sorte. On va donc regarder vos drawings en style. Normalement, j'en ai pas oublié, c'est possible. Si c'est le cas, bah tant pis. Voilà, tant pis. Je suis désolé pour ceux que j'ai oubliés, mais normalement j'en ai oublié aucun, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram. Et voilà, on y va, c'est parti. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai deux petits trucs à vous dire. On va commencer avec Twitter et je vais essayer d'aller vite, de faire une petite phrase, un petit commentaire à chaque fois parce que vous avez été nombreux à participer et ça merci, merci, je suis content. Bien sûr, je mettrai en description tous les liens de tous les dessins de tout le monde. Et si le nom, le pseudo que vous voyez affiché à l'écran n'est pas le même que ce que je viens de dire, c'est normal, c'est parce que moi je vais afficher à l'écran le arrobase, voilà, le pseudo Twitter pour que vous puissiez les retrouver. Et on commence avec Machi qui nous a fait une aquarelle, j'ai l'impression, je crois que c'est une aquarelle, en tout cas c'est assez joli. Là par contre, elle a respecté ce que scrupuleusement ma position avec des bras un peu plus gros, avec quelques, avec son style en fait, voilà, avec son style, c'est ça qu'on veut. Il y a un œil, on dirait qu'il est un peu fermé, on dirait qu'il est comme ça. Je suis pas 100% sûr que c'est une aquarelle, mais en tout cas les ombres sont bien gérées, etc. J'aime bien Machi. Au suivant, Artou qui nous l'a fait dans une position un petit peu plus décontracte, voilà, il est posé, il n'y a pas, comme j'avais fait les deux grands bras là derrière, le bâton est plutôt devant, il est beaucoup plus imposant, il est beaucoup plus grand que lui, j'aime beaucoup. J'aime bien l'interprétation que les gens ont fait de cette espèce de... comme un ver luisant, quoi, une luciole, le truc qu'il y a sur la tête, et aussi du chapeau, parce que les gens, du coup, vous allez voir, ont dessiné le chapeau à chaque fois de façon différente. Là, il a fait une grosse corde sur la bille. Moi, j'avais fait deux petites ficelles. Voilà, les gens ont tous fait dans leur style, ça j'aime bien. Là, ça a été fait visiblement au pro marqueur, en tout cas au feutre de la marque FC. Nicolas Villemagne qui nous dit que c'est réalisé au bic et au pro marqueur. Eh bien, on peut dessiner au bic, hein, ça peut-être que je ne vous l'ai jamais dit, mais il y a des dessinateurs très talentueux qui dessinent au bic tout simplement et on peut faire, comme vous le voyez, de très belles choses. J'aime les couleurs, j'aime le rappel du orange sur la toge avec le soleil derrière. Il a fait un décor là, ce que moi je n'avais pas fait. Et par contre, lui, il transporte l'eau plutôt dans des espèces de gourdes, des vieilles gourdes en cuir. Enfin voilà, c'est différent, il l'a fait à sa sauce et ça j'aime bien. Et lui, son crâne luisant est violet. Voilà, ça rappelle aussi la couleur de la corde qu'il a mis. C'est bien, c'est habile, bien joué. Okuto no Stain, avec un style du coup complètement différent de ce qu'on voit avant. J'ai l'impression de voir un petit côté méchant de Tortue Ninja, en tout cas. Avec les doigts, tu les as fait beaucoup plus gros et on dirait les doigts des Tortues Ninja. Okuto no Stain, je suis un grand amateur de petits traits dans les dessins. Avant, j'en faisais beaucoup trop. Mais toi, je vois que toi aussi, tu aimes les petits traits. Mais là, ça rend plutôt bien. Surtout, j'aime beaucoup la texture de son bâton, de sa canne, qui va vachement bien avec le bois, tous ces petits traits. Ses lumières, ses ombres, etc. Je l'aime beaucoup, un style un petit peu tremblant, un petit peu plus organique, j'ai envie de dire, là où moi c'était très très anguleux, très droit. Nan ou Anna De Wose qui nous a fait un dessin en noir et blanc juste au feutre, et il est très joli, très simple. Elle a respecté la position que j'avais faite, sauf que il y a un côté beaucoup plus rond. Qui rend ce dessin complètement différent et j'aime beaucoup la texture que tu as mis dans les ombres des bras derrière. Je vais essayer de zoomer dessus. J'aime beaucoup ces petits traits là. On dirait presque que ça fait partie de sa peau, que c'est une espèce d'écaille ou quoi. Mais en tout cas, j'aime bien les petits traits que tu as fait, les petites ombres que tu as fait. Même dans l'eau, pareil dans l'eau. Là, c'est très 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 joli. Par contre, le tien tient la baguette de l'autre côté, comme ça. Du coup, moi, les mains étaient devant. Toi, tu les as mis derrière. Mais comme c'est un insecte et que les insectes, de toute façon, hein, bon, on s'en fout, hein, voilà. Ça aussi, c'est l'avantage, hein, si vous avez envie de dessiner un truc classe et que vous avez du mal à dessiner la proportion humaine, et bah dessiner un truc anthropomorphe, un insecte, un animal, etc. Inventer une créature, et là, d'un coup, tout ça, vous pouvez plus ou moins le jeter à la poubelle. Plus ou moins, attention. On passe à... on va dire... Noralive, parce que le pseudo qu'on voit affiché... Il y a un truc qui bug, et justement, comme dans le dessin, il y a un truc qui bug, voilà. D'après ce que j'ai vu sur sa page Twitter, la personne aime beaucoup ce genre de déformation, bug, glitch dans ses créations, et du coup, là, elle nous l'a fait avec le sourcier, et j'avoue que, même là, en le regardant pour la troisième ou quatrième fois, je ne comprends toujours pas tout, je distingue la toge, je distingue un bâton, un deuxième bâton, il y a des lumières, je crois qu'il y a deux yeux globuleux au-dessus, mais je suis pas encore sûr. Mais en tout cas,
c'est une interprétation très originale, ce côté glitch bug, et du coup on peut l'interpréter un peu comme on veut. On voit clairement la toge, hein, attention, et le chapeau, mais rien n'est sûr, on est perdu. Je suis perdu, moi-même qui l'ai vu plusieurs fois, je suis encore perdu en le voyant, je suis perplexe, je ne sais pas où donner de la tête, mais c'est sûrement le but de ce genre de visuel. De toute façon, les glitchs, etc., c'est très à la mode en ce moment sur YouTube, vous le savez si vous regardez quelques vidéos, les aberrations chromatiques. En tout cas, c'était une interprétation très originale. Au suivant, Ali qui est étudiante en art plastique après un petit peu de son temps pour faire Mondre Union Stade, et je suis très content parce qu'elle a pas que ça à foutre, les études, tout ça. Non, je déconne, la fac, ça sert à sortir, voir ses amis, boire en toute modération, voilà, donc t'as pas le temps de dessiner. Du coup, que dire? C'est simple, et ça représente parfaitement mon insecte sourcier dans un style assez franco-belge, ligne claire, voilà, y a pas de fioriture, y a pas d'ombre, y a pas de pli dans... C'est simple, et ça fonctionne. On va être clair, le niveau en dessin n'est pas extrême, mais ça prouve que tout le monde peut se faire plaisir et peut participer. Merci Ali. Colonel Quenouille, un habitué dans les commentaires, qui nous a fait aussi un style assez déroutant, assez, je dirais, années 80. C'est un peu à la mode aussi, d'ailleurs, c'est aussi revenu à la mode. On voit qu'il a utilisé pas mal de petits brushes, taches d'encre, etc., en dessous. J'ai l'impression qu'il a fait ça en détourant mon dessin original, en fait. En enlevant le noir et en le détourant, genre sur Illustrator, etc. Faudra que tu me dises si j'ai raison. Mais ça donne un côté très original, auquel je ne m'attendais pas non plus. Mais ça fonctionne. En tout cas, ça percute. C'est percutant. Je dirais pas que c'est macabre. Cam. Mais ça a le mérite de sortir du lot. Sylvain Duru qui nous signe là, l'un des meilleurs, en tout cas selon moi techniquement. Il m'a pas mal impressionné dans les lumières, dans la position un peu ninja. Où il lève la jambe, position la grue un petit peu. En plus on ne voit pas sa tête, c'est assez mystérieux en mode ninja, j'aime beaucoup. Et techniquement là, c'est vraiment très très joli, les lumières, etc. Parfait Sylvain, il est magnifique. Anaïs, I'm still a machine, salut à toi d'ailleurs, on s'était vu à Montbazon, c'était chouette de te revoir, qui nous a fait une interprétation et elle dit que c'est pas vraiment son style. Alors on voit que, et c'est compliqué, t'as été bloqué par mon dessin et qu'il y a un gros côté, t'as recopié, mais t'es pas la seule, il y en a plein qui ont recopié exactement la même position et tout, et j'avoue que oui, c'est compliqué pour l'avoir déjà fait de sortir du dessin d'origine, d'essayer de s'extirper, de rajouter sa petite patte. Mais malgré ce que tu penses, tu l'as fait, parce que déjà t'as utilisé d'autres outils que moi. Le trait n'est pas exactement le même, tu n'as pas mis des ombres, etc. au même endroit. T'as pris des risques et des petites initiatives qui font qu'au final, il ne ressemble pas au mien. C'est le tien quand même. Et j'aime beaucoup l'utilisation du crayon blanc pour rajouter des lumières. Je sais pas si c'est ça, j'ai l'impression que c'est ça, mais ça j'aime bien. C'est chouette, on a tout. On a du tradi, du crayon de couleur, du feutre, de la tablette graphique, des trucs un peu plus graphiques justement. Je suis content. Animé Hugo. Quelque chose me dit avec ce nom-là qu'il a une chaîne de dessins animés sur YouTube, je le sens. Qui a fait l'un des dessins que j'aime aussi beaucoup, car là c'est vraiment un style complètement différent du mien. Là, il a fait vraiment... Il a regardé de loin, il s'est dit voilà, ça a deux bras, ça a un bâton, un machin, ok c'est parti. Et il l'a fait, là c'est complètement différent, il est tout petit, il a une grosse tête. Là, c'est chouette, parce que c'est vraiment pas du tout ressemblant au mien, et j'ai été surpris, du coup, agréablement surpris. Que dire de plus? Voilà, il est magnifique, là, les gros trucs, là, espèce d'énormes dents, ce chapeau qui est coupé net, très plat comme ça, c'est une interprétation aussi assez originale. Enfin, je suis conquis, que dire de plus? Merci Hugo. Roof Lacketman, qui nous fait aussi l'un de mes préférés. En tout cas, il est très imposant, il est très impressionnant, je sais pas ce que vous en pensez, mais il a un regard un petit peu plus noir. Malgré qu'il ait utilisé la même position que la mienne, il est plus badass, par exemple dans l'épaule, on voit qu'il y a une grosse articulation grâce aux ombres qu'il a mis, et il a l'air d'avoir plus de volume en haut, hein. il a fait un petit peu de muscu. Il y a aussi ce côté un petit peu plus croquis, roots, sombre aussi, avec tous les petits traits et les couleurs qui sont pas du tout pastel qu'il a utilisé. Et ouais, ça le rend beaucoup plus impressionnant, beaucoup plus dark. Là, on sent qu'il faut pas l'emmerder. En plus, il me dit qu'il avait la flemme de faire les jambes. D'ailleurs, comme moi, le mien avait pas de jambes. Eh bien, il a fait le choix de faire en sorte qu'il sorte de la terre. Et ça aussi, ça le rend très impressionnant, comme une espèce d'entité qui sort de la terre. Et voilà, qu'il faut pas faire chier du tout, parce que c'est assez impressionnant. Enfin, moi, je vois ça arriver devant moi, qui sort de terre comme ça. Malgré qu'il a l'air inoffensif, hein, parce que techniquement il a qu'un bâton et de l'eau, bah j'ai pas envie de savoir ce qu'il y a dans les bouteilles et j'ai pas envie qu'il me tape avec son bâton. Abonnez-vous à Kingdom,
ce n'est pas une pub, c'est pas un placement de produit, c'est le nom de la personne qui a fait ce dessin en noir et blanc. Et pareil, je suis comme celui d'avant, assez, enfin les deux d'avant en fait, là on est sur une bonne série, que j'aime bien en tout cas, ça veut pas dire que j'aime pas les autres, mais ceux-là, vraiment je les aime beaucoup, parce que c'est vraiment encore une fois leur style. On dirait qu'il lui a fait des cicatrices sur le visage, en tout cas il a beaucoup plus de traits sur le visage, et ça aussi ça le rend un petit peu plus inquiétant, un petit peu plus badass. Merci, abonnez-vous à Kingdom, et change de pseudo, s'il te plaît. Catastrophe qui nous fait un superbe dessin aussi, tout en couleur, et celui-là me rappelle énormément, je sais pas vous, je sais pas si vous avez connu les Creepy Crawlers. J'adorais ce générique et ce dessin animé quand j'étais plus petit, et je suis sûr qu'en fait c'est de la merde. Faudrait que je le revoie, mais je pense qu'avec le recul ça doit pas être si bien que ça. Dans tous les cas, ce que t'as fait là, le design, les couleurs, les yeux, la bouche, le fait qu'il ait des bras assez musclés assez, par rapport à ce que j'avais fait, me rappelle énormément les Creepy Crawlers, et voilà, je sais pas pourquoi, mais du coup, ce dessin me fait du bien. En tout cas, ma nostalgie à mon moi petit, il me fait beaucoup de bien. Lambda LOL Player, là encore, à mon avis, faut changer de pseudo. Et à un moment, faut arrêter les noms de marques dans les pseudos, etc., faire de la pub... Non. Et une propre identité. Bref, tu fais aussi un dessin que j'aime beaucoup. Là, techniquement, c'est pas ouf, on va le dire, mais je l'aime beaucoup parce qu'il y a pas mal d'idées. Et tu t'es pas mal extirpé de ce que j'avais fait, et c'est ça que je voulais surtout. Par exemple, le fait qu'il porte, enfin il utilise son bâton pour porter les seaux, les contenants qui sont faits en feuilles. Hein, si on regarde bien les contenants, c'est des feuilles roulées. Ça, c'est une très bonne idée. Tu lui as pas mis 4 bras, tu t'en fous, tu t'es dit ok, on lui met pas 4 bras. Et sa tête, ça ressemble, déjà t'as enlevé le capio, et tu lui as mis des antennes. Enfin, ça ressemble plus à une fourmi. En tout cas, tu l'as interprété comme tu le voulais. Et c'est ça que je voulais, et c'est ça que j'aime bien. Mionu qui a interprété mon dessin de façon très déstructurée, avec un croquis fait sûrement très vite, en tout cas avec des traits assez rapides, et on dirait que le feutre était plutôt usé, en tout cas il n'avait pas le temps d'écrire, mais ça donne quelque chose d'assez particulier. On comprend la globalité, je vois les bras, je vois la canne, je vois le chapeau. Pour la tête, j'ai eu un peu de mal, mais j'ai l'impression qu'il y a une tête un peu plus bouffie, même si je me demande encore, là maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as colorié, parce que tu as colorié un truc là, et deux au niveau des joues pour moi, vu qu'il y a un œil. Mais en tout cas, ce dessin m'a fait me poser beaucoup de questions. Par exemple, je sais pas où, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bouteille, ou alors je la vois pas, peut-être, j'hésite. Mais ouais, j'ai l'impression de voir un tableau abstrait, de devoir interpréter certaines choses, malgré que la personne qui l'a fait, pour elle, c'est très clair. Donc en tout cas, si tu peux nous éclairer sur ce que tu as voulu faire, je suis preneur. Mais c'est bizarre, je ne me lasse pas de le regarder pour essayer de comprendre, de voir ce que je n'arrive pas encore à voir. Et c'est terminé pour Twitter, on va passer à Instagram. Alors Instagram, on va commencer avec Ben Fligan, ce cher Ben. Il y a un truc qui vous perturbe, il y a un truc qui vous turlupine, je le sens. C'est le cadre, oui c'est vrai, il n'était pas là avant. C'est un joli cadre avec mes 4 premiers Inktober, et c'est à gagner sur mon compte Instagram pour fêter mes 2000 abonnés. Enfin, je ne les ai pas encore. Mais bientôt, très bientôt, donc allez vous abonner à mon compte Instagram, voilà. En parlant d'Instagram, on continue avec Ben, le dessin de Ben Fligance. Rappelez-vous, c'est son dessin que j'avais refait sur ma première vidéo, Drawing Your Style, j'espère que vous vous en rappelez. Et lui a fait le mien, je m'en doutais, j'étais sûr qu'il allait le faire, je sais pas. Et faut avouer qu'il a très 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 bien réussi. Il est merveilleux, Ben, que dire, je crois que j'ai mis un commentaire, je sais plus, mais en tout cas il est magnifique, je ne sais que dire, autant de techniques. En plus il a fait un personnage là où moi j'ai été tout droit, ce qui est un peu plus mon style, là lui il a vraiment fait un personnage courbé. En plus les articulations là des coudes qu'on voit derrière les mains, le petit viseré de lumière et tout, parfait. Alors là oui il a fait mieux que moi, voilà, faut le dire, c'est bien mieux. Surfing Giraffe Comics, qui a priori est anglophone, anglais, m'a fait une participation, et elle est très jolie, nice. Il a mis des couleurs toutes douces, toutes pastel. Par contre je ne comprends pas, ce que j'aime le moins en fait finalement dans ce dessin, c'est le fond, cette espèce de dégradé gris dans le fond, ça j'aime pas trop. Par contre il y a une bonne idée dans la canne, c'est de mettre la petite boule avec, je sais pas si c'est des ficelles ou si c'est une espèce d'énergie, mais ça, c'est une très bonne idée. Nepkins qui nous a fait aussi sa propre version, qui parle aussi anglais, mais il dit manger des fruits, donc je pense qu'il est quand même français, il parle anglais pour se faire des abonnés sur Instagram. C'est une petite technique que je n'utilise pas, moi je parle que français sur mon Instagram, parfois c'est dommage, parce qu'il y a des anglais qui viennent commenter, mais bon. C'est mon choix, c'est comme ça. Lui il a fait aussi une version un peu inquiétante,
on voit pas les yeux, c'est de l'ombre. Il l'a fait complètement de face, donc là encore une fois il a changé la position, il a pris un risque et c'est vachement bien. Et j'aime bien comment il tient son bâton, de façon très ferme comme ça, on dirait qu'il... En fait s'il y avait que le bras du milieu, on serait presque tenté de dire qu'il va nous attaquer, en tout cas qu'il est menaçant. Et la façon dont il tient la bouteille, j'aime beaucoup. On dirait qu'il est en train de trinquer notre santé, mais vu ce regard menaçant, il est plus en train de nous montrer un poison du genre « Tiens, je vais t'enfourner ça dans la tronche, tu vas crever !» En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète, je le trouve plutôt menaçant. Et je ne suis pas sûr, ôte-moi d'un doute, Nepkins, je pense que c'est de l'aquarelle que tu as utilisée. Et peut-être pas dans le fond, je suis pas sûr. En tout cas, dis-moi ce que tu as utilisé pour les couleurs. Je pense que c'est de l'aquarelle. Sketcher Haddad nous fait une version tout au crayon gris, simple, mais dans son style. On le voit toujours avec les yeux, avec la bouche qu'il a fait de façon différente. Les bras qui ont l'air plus humains. Et il a mis beaucoup plus de bouteilles à la ceinture. Merci Sketcher Haddad. Pierre B qui nous fait mon insecte sourcier dans une position charismatique, un peu classe, de dos comme ça. Avec le bâton, la bouteille dans l'autre bras, je trouve ça très très classe. Je pense que c'est aussi de l'aquarelle et t'as bien géré les ombres et tout. La position est très classe. J'ai l'impression qu'il me dit « Dégage de là, je suis bien trop classe pour toi ». Adrien Wadowski nous fait une version toute carrée, encore plus que la mienne, mais de face. J'ai l'impression qu'il a utilisé des vecteurs, donc sûrement Illustrator. En tout cas, il met dans ses hashtags digital. Ça pourrait être le style d'un artwork de jeu vidéo, dans un style un peu genre Reigns. Je sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu, mais ça pourrait être dans ce style-là. En tout cas, j'aime beaucoup. J'aime moins le fond, en fait. J'aurais aimé juste le personnage. Mais c'est très très bien, Adrien. Élie Vigneron, aquarelle et encre de Chine, c'est ce qu'elle dit. Et j'aime beaucoup la position de ton insecte sourcier qui regarde vers le ciel comme si il attendait la pluie, en tout cas quelque chose, des nuages, qu'il voyait quelque chose. Comme t'as fait, t'as colorié comme ça, on dirait que c'est de la pluie. Peut-être que ça en est pas. Mais en tout cas, on dirait qu'il y a un truc comme ça ou une tempête. J'aime beaucoup la position, il y a un gros level d'aquarelle. Dans un style complètement différent de ce qu'on a vu, où d'habitude on fait des aplats puis les ombres. Là, on sent que c'est un peu plus dégradé, un peu plus mélangé. Sauf pour la lumière, et encore une fois la lumière très très bien aussi. C'est parfait Ellie. Les dessins de Nanart, bien entendu, un habitué de mon compte Instagram, et moi je suis habitué aussi au sien. On se suit mutuellement, il fait plein de bonnes choses, il s'améliore très très vite, il a beaucoup plus d'abonnés que moi d'ailleurs, parce qu'il gère bien sa com, et il a utilisé quelque chose que j'aime beaucoup, le papier craft. Et en plus des crayons, un crayon blanc pour le fond, je trouve que ça rend très très bien. Et une fois de plus, on peut voir qu'avec un même personnage, les styles sont complètement différents. Que ce soit dans les bras ou dans le drapé, sa façon d'interpréter aussi. Le chapeau, les yeux, les couleurs, et je le redis, la toge, où il a fait plutôt un espèce de poncho, ce que moi je n'avais pas fait. Donc voilà, il a interprété, on voit que c'est son style. Et puis le papier craft, hein, le papier craft c'est tellement... voilà, c'est porn, c'est presque porn pour moi le papier craft, c'est... C'est merveilleux. Morphy avec une version en noir et blanc où elle a décidé de ne pas mettre les bras de derrière. Et elle a peut-être raison, parce que c'est vrai que ça peut faire un peu bizarre. Voilà, ils sont derrière, tant pis. Mais ce qui interpelle surtout dans cette version, dans ce style qu'elle a fait, c'est le regard. Le regard, il n'y a pas vraiment de pupille. On dirait presque une goutte, son œil, enfin en tout cas la pupille. On dirait qu'il a peur, qu'il a très très peur, qu'il voit quelque chose d'inquiétant. On dirait presque qu'il va boire la bouteille pour s'empoisonner tellement il a peur, enfin je ne sais pas. En tout cas, il a l'air flippé. Et pour parler vite fait du style, elle a fait un coup beaucoup plus gros, elle a décidé, comme je l'ai dit, de pas mettre les bras derrière, elle a interprété le chapeau, voilà. c'est son style, donc je suis content. Contrairement à ce que tu penses, tu as un style, Morphy. Voilà, c'est indéniable, ça ne ressemble pas du tout à ce que j'ai fait. Josh qui nous a fait une version l'aquarelle, je crois, en tout cas il nous dit qu'il est content du résultat, et en plus, en prime, on a une photo en fond de Strasbourg, voilà, une très belle ville, le Strasbourg, j'y ai déjà été une fois, c'est très beau, tout comme le dessin, et vu qu'on arrive à la fin, je ne sais plus trop quoi dire, voilà, cette aquarelle est très bien gérée, le fond, il y a une symbiose dans les couleurs comme j'avais fait, mais il y a son style, un cou beaucoup plus fin, une tête beaucoup plus grosse, voilà, merci Josh, merci. Price qui nous dit que d'habitude elle fait que des humains et que là enfin elle peut faire un insecte, bien écoute Price, de rien. D'après l'hashtag, je vois que c'est fait sur ta plate graphique, en digital, et ce que j'aime le plus dans ton dessin, c'est la lumière, j'aime bien cette lumière très très nette, et surtout, le cou que t'as courbé, ça lui donne une position un peu plus cool, t'as fait quelque chose de ce coup en fait, là où moi j'ai fait un coup tout droit, toi t'en as fait quelque chose. Il est plus mou, il est plus décontracté, c'est un insecte, voilà, tranquille, ça bouge. Nuanda l'a dessiné juste en noir, avec juste la couleur verte, comme ça. Et le cadre aussi en vert, et ben, je trouve que ça rend vachement bien, il y a un côté graphique que j'aime beaucoup. Et après il a juste fait les ombres en noir, des yeux, des traits, quasiment des traits, ça lui donne un côté beaucoup plus extraterrestre.
plutôt qu'insecte. Merci Nwanda. Zonk Hart qui est le seul à, je crois, avoir mis une bulle où l'insecte crie « La source !» Il a interprété le fait que je n'avais pas fait les jambes comme sa robe qui serait dans l'eau, enfin sa toche qui serait dans l'eau. Contrairement à moi, il a fait un fond, il a fait un espèce de marécage. Lui aussi aime beaucoup les petits traits, on voit que les ombres et les lumières sont toutes faites avec des petits traits. Et j'aime bien forcément, j'aime bien les petits traits, donc j'aime bien quand c'est fait comme ça. Et en plus c'est assez maîtrisé, c'est assez cohérent, c'est plutôt joli. Voilà, j'arrive à la fin, Zonk Hart, j'ai plus d'adjectifs, c'est magnifique, merci. Et voici le dernier que j'ai reçu, fait a priori au BIC. Je pense, ce n'est pas écrit dans la description, mais je pense que c'est fait au BIC par Donovan Bonnet, qui en a fait plutôt un fermier, qui a choisi plutôt vraiment de faire ressortir la paille du chapeau, de faire quelque chose de plus plat, et de faire une énorme tête d'insecte. Et là, on voit vraiment qu'il y a une grosse différence de style, et j'aime beaucoup. Voilà, forcément, tu l'as adapté à ton style, tu t'es dit, bah voilà, un insecte, moi je le dessinerais plutôt comme ça, avec des yeux noirs, comme une fourmi, ou une abeille, par exemple, et tu l'as fait, avec ces petites hachures pour faire les ombres et les textures. C'est parfait, on dirait qu'il est paisible, qu'il est là, qu'il est en train de cultiver son champ, de récolter la rosée sur les feuilles. J'ai presque envie de lui mettre une petite brindille au coin des mandibules, ça le rendra vraiment très cool. Et c'est enfin terminé, merci à vous, vous avez été nombreux à participer malgré le fait que la vidéo n'ait pas fait beaucoup de vues. Vous avez été, j'ai pas compté, je pense qu'il y avait plus d'une trentaine de participations. Donc merci à tous ceux qui ont participé, je suis désolé s'il y en a que j'ai oublié. Je vous avais dit de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour vous parler de deux choses. La première chose, je vous l'ai déjà montré, c'est le cadre. Voilà, le cadre que je ferai gagner pour mes 2000 abonnés Instagram. Mais si vous voulez vraiment un de ces cadres, à la fin de mon Inktober, je referai une vidéo exprès. Mais voilà, je vous le dis d'avance, à la fin de mon Inktober, je vendrai tous mes Inktober de cette façon. Du coup, pas les 4 premiers, mais voilà. Et la deuxième chose, c'est un fanzine, magazine, je préfère dire fanzine, un fanzine de bande dessinée qui s'appelle Turbo Time Travel, qui regroupe plein d'auteurs, tous avec des styles différents, des talents différents. Et ce fanzine, j'ai failli participer au deuxième volume, mais j'ai eu le temps de faire qu'une planche, et après, le délai était dépassé, donc voilà, trop tard. Mais il y a plein d'autres auteurs de bande dessinée de talent, amateurs comme moins amateurs, et ils ont fait une campagne de financement participatif pour le tome 2, enfin pour le deuxième numéro. Je suis pas sûr que cette vidéo sortira avant la fin de ce financement participatif, mais dans tous les cas, je sais qu'ils vont faire un tome 3, enfin un troisième numéro, un quatrième numéro, donc c'est un fanzine, un magazine que je vous conseille vraiment, et j'espère pouvoir d'ailleurs participer au prochain si on me le dit suffisamment tôt. En plus, à chaque numéro, il y a un thème, là pour le deuxième, c'était la Russie. Et il y avait moyen de s'éclater. Ça qui est bien avec les fanzines, c'est que ça regroupe plein de styles différents, plein d'auteurs différents. Donc je vous conseille vraiment ce magazine qui en plus est très bien fait, très bien produit. Et au pire, si la campagne est finie, bah, renseignez-vous, attendez pour le tome 3, allez les suivre sur Twitter et Facebook pour le lancement du troisième, dans lequel je serai peut-être, j'espère, je croise les doigts. Cette vidéo est maintenant terminée, elle est beaucoup trop longue. Merci à tous ceux qui ont participé au Drawing Your Style, merci à ceux qui ont regardé cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, c'est très important, je communique un peu plus, j'ai un nouveau téléphone, je fais des stories, etc. C'est compliqué, j'apprends à parler à mon téléphone, mais je vous jure que je le fais. Mettez un gros pouce vers le haut, commentez si vous avez des questions, etc., même des blagues, et mangez des frites.